Et la partie la plus ancienne donc, que vous avez devant vous, c'est aujourd'hui un restaurant qui aussi fait des soirées à thème sur Condé, Vatel et des visites. On fait beaucoup de visites nocturnes et donc c'est un restaurant qui est ouvert au grand public. Et là, nous venons d'inaugurer une terrasse il y a quelques jours. Voilà. Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer Monsieur Thierry Bocaxi, qui est directeur donc, de l'Office du tourisme de Roissy, qui nous fait participer régulièrement à des opérations de rapprochement entre les hôteliers sur la zone de Roissy, les sociétés qui travaillent autour de l'aéroport et des sites culturels comme le domaine de Chantilly. Alors, évidemment, j'étais très intéressé par ce type d'opération car pour nous, la zone de Roissy est une zone vraiment très importante puisque nous nous situons à une vingtaine de minutes de Roissy et des centres d'exposition au nord de Paris. Et il m'a semblé tout naturel de voir avec Thierry pour pouvoir organiser un éductour et de permettre aux hôteliers, aux personnes qui travaillent sur la zone aéroportuaire, de découvrir ce formidable domaine qui est le domaine de Chantilly, qui est à une vingtaine de minutes, comme je vous l'ai dit, de Roissy, et qui offre d'énormes possibilités en matière de visites, de soirées, de galas. On peut organiser tout type d'événements, nous sommes ouverts toute l'année et je crois que les participants ont pu découvrir et vont découvrir un lieu formidable et en plus avec le soleil. Alors, nous venons de passer notre quatrième éductour qui fut un succès encore. Tous nos partenaires, beaucoup de nos partenaires étaient présents. Cette fois-ci, nous avons été à Chantilly, très bien accueillis à Chantilly. Chantilly fait partie également de nos partenaires. Nous travaillons avec eux depuis l'ouverture de l'Office du tourisme. Jamais nous avions eu l'occasion de découvrir tout ce que pouvait apporter pour la région, en fait, ce magnifique parc. C'était un très bon éductour. Le beau temps était avec nous et très intéressant. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait aussi que les gens partagent se fassent des échanges de cartes de visite et tout ceci dans un esprit très convivial et très positif, j'en suis persuadé.